Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Nous voici repartis pour la peut-être et sans doute dernière séance, dernière session de ce jeu, à moins qu'on ait vraiment un coup de chance. On va travailler un petit peu un petit peu plus de minage. On va remettre quand même un petit peu plus de ceci. Bien que je ne sois pas certain qu'on puisse en voir le résultat. Je pense que Grizzly est occupé au-dessus. Oui, on avait déjà fait ça. Libellule, tu revenais supprimer un toit. Et puis tu vas me faire ça. On revient dans le travail. Libellule, tu es en mineur. Ok, c'est bien. Bah, ils vont tous faire du minage. Oui, ok, c'est bon, on continue. Donc, Chauve, si tu es toujours occupé de faire une recherche. Sur les panneaux solaires, alors, je viens de voir la vidéo de notre ami Stan, qui maîtrise parfaitement sa partie. Hein. Il est maintenant, il a passé le mois de décembre et il a de quoi bouffer sans problème. Il récolte déjà ses patates. Il a récupéré son riz qu'il avait planté le 1er décembre. On est encore assez loin de cela. Et comment vais-je dire? Ben oui, ben voilà. Il s'est bien débrouillé. Et alors oui, surtout, il a réussi à planter des cactus. Je pensais qu'on ne pouvait pas planter de cactus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, on est toujours occupé. On va un petit peu enlever tout ce que nous n'avons plus besoin. Là, ça fait déjà 10 heures, mais ça ne bouge pas. Ça, on ne peut rien faire, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y faire. Attends tout ça. Grizzly, je voudrais plutôt que tu me fasses 44, tu veux faire. Écu, ouais, plus 2, tiens, tiens. D'accord, bon. Eh bien, je crois qu'on a fini ici. C'est quoi ça, on ne sait pas. On a à peu près fini avec tout ceci, donc t'as qu'à me prendre les 44, vas-y, mec. 44 et puis il y en a encore après ou pas? Non, il n'y en a plus après. Si, il y en a encore 11. On va lui demander de faire celui-ci aussi alors. Grizzly, tu me fais 44, tu priorises ceci. Et tu me priorises ceci. Ah ben voilà, plus 4. Ok. Et normalement, Libellule, elle devrait. Ah, elle fait de la construction. Libellule, je vais plutôt te mettre un petit peu plus de. J'ai plus besoin du minage. On va te mettre en 2. Voilà. Au lieu de faire ça. On va te laisser finir, hein, parce que ce qui est commencé, si vous le stoppez, il est perdu. Donc autant en profiter. Et puis Grizzly, on fera la même chose. Donc on va quand même le surveiller un petit peu ici, voir s'il ne fait pas trop de bêtises. Tu me saisis ça, ok. Donc t'as pas du tout l'air d'avoir envie de faire ce qu'il faut. Voilà, viens ici, mon ami. Merci. Alors, prends-moi ceci et puis ceci. On va voir si tu veux bien faire les deux. Oui, c'est bien. Mais c'est génial, il apprend petit à petit. Ok, alors Libellule est occupée. Jean nous fait ça, c'est parfait. On va bientôt. Alors, démence majeure, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon ami? 28%, oui, t'es passé en dessous des 29. Alors, extérieur, on va t'envoyer un petit peu à l'extérieur peut-être. Tu dois aller dormir, bah tu vas aller dormir. Qu'est-ce que tu me fais maintenant? Tu vas manger? Ben oui, tu vas manger mon ami. Il en reste 3. Il en reste 3, notre plan de riz est à 45%. Je me demande si je ne ferais pas mieux de prendre tout le monde et de partir tout de suite. Tu vas faire quoi, toi? Tu transportes jusqu'à la zone de stockage, ok. Et puis tu pars te reposer. Je me demande si on ne ferait pas mieux de partir. Tout de suite. Ah, mais attends, je vais faire ça à bouffer aussi. Ça va, je vais faire ça à bouffer. Ok. On a encore. Enfin, tu vas me dire, on n'a plus rien à bouffer. Ah là là.
Donc on a encore 16 et 16, 32, donc 3 plats, 4, 5, mais non. Si on pouvait avoir un petit cadeau, monsieur Randy, s'il vous plaît, une petite bestiole, par exemple, comme un chameau, qui donne 180 de bouffe, enfin moins, puisqu'on n'a pas le... D'ailleurs, Grizzly, on va te laisser dormir, Grizzly. Même si c'est pas terrible ici dedans, malheureusement, on est quand même encore terne à cause de ça. Surtout. En tout cas, vous aurez appris que ça, c'est quand même pratique. Ça m'a bien permis d'améliorer la beauté. On va passer à la vitesse supérieure. Voilà. Deux bouffes. Je sais pas combien je l'ai mis là. Il se passe absolument rien. Absolument rien. Libellule. Il ne se passe rien. Rien, rien, rien. Que 98, 900. Oui, ça c'est l'intérêt de l'avoir laissé comme ça. Mais bon, elle repart pour 2%, mais elle repasse à 100 et ça lui donne des tonnes de joie, 10 au lieu d'avoir 5. Donc c'est quand même assez pratique. Et toi, tu vas travailler, oui, c'est bien mon ami. Risque de démence mineure, on n'a toujours rien. Alors, vous voyez, 37, 39 au lieu de 38, au lieu de 40, hein, parce que libellule, vous voyez, 37. Alors, bon, c'est un peu trop sale maintenant, c'est pour ça qu'on a un problème. Donc, on pourrait peut-être faire ceci. On va faire une copie de ceci, qu'on va positionner, pourquoi pas ici, ce sera parfait. Ce qui va me permettre d'envoyer libellule apporter ça. Et nettoyer, ça fait un petit peu moins de saloperie. Ouais. Et puis on va encore en faire un. Voilà. Ça, elle sera obligée d'aller me chercher ces saloperies-là. Enfin, pas saloperie, hein, le métal en tout cas. Ah oui. Voilà. Ce sera déjà un peu plus propre. Lui, il mange. Voilà. Il reste un. Alors. La libellule. Allez. Alors, on va demander après à Grizzly, tu es occupé d'aplanir le sol. Est-ce que tu peux nettoyer? Oui, tu peux nettoyer un peu. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Est-ce que c'est propre? Un petit 16, ouf, un petit 48 là. Et un petit 16. Ok, donc toi tu viens, tu ne peux pas. Ici dans le coin, tu peux. Ici, tu peux. Voilà. Je pense que tout est propre là cette fois-ci. Ouais. Tout est. Non, il reste encore un 16 là-bas. Ah non, je peux pas l'enlever. Alors, on est toujours en risque de démence. Le drôme psychique est toujours là. Mais on est à 28, il manque 1%. Okay.
Voilà, dernière bouffée partie. Nous allons rouvrir ceci, reconnecter, pas reconnecter. On va demander à notre ami production un lieu de dépeçage qu'on va remettre ici. Et on va demander à Grizzly. Chaud, il doit avoir faim, je suppose. Il a tout le temps faim, chaud. Stop. Alors. Soixante pour cent, 36%. Comment va-t-on faire ça? À 60%, est-ce que je... Normalement, je vais déjà pouvoir récupérer un tout petit peu de bouffe quand même. Bon, nous allons construire un distributeur. Donc on va pouvoir positionner n'importe où, hein, de toute façon. Bon, c'est pas très joli, hein, mais je pense qu'on peut le... Trois. Est-ce qu'on peut le déplacer? Je pense que oui, hein, j'espère. Combien ça consomme ça? Combien ça consomme? 200 watts. On n'a pas le choix. Alors, 90 acier. On va mettre ça ici pour l'instant, je crois. Voilà. Grévé. Alors, on a encore ici aussi qu'on va pouvoir faire. Et ici, mon ami. Une belle lutte du stop. Pas miner de métal, tu vas me construire ça. C'est ma biche. Un chauve. T'en as encore un, toi, mon ami. Libellule là. On va y arriver. Peut-être. Ouais, bah, vas-y. Ah oui, non,
c'est parce qu'il ne manque pas grand-chose, quoi. Il manque 90 sur 90. Ok, normalement, donc là maintenant tu vas chercher les composants. C'est parfait. Alors la température là-bas est de 6 degrés. Attention. Ok. Toi, ensuite tu iras me déposer tout ça et puis tu me feras un petit. Il n'y a pas de propreté à faire en plus. Dommage, ça prend énormément de place, hein, ce truc, mais bon. Ok. Donc, je t'ai peut-être mis un peu loin. Il va nous falloir de l'énergie. Normalement, avec trois trucs comme ça, on devrait y arriver. Grizzly, tu mines le métal, tu me finis ça, ok. Tu vas commencer par d'abord ceci. Tu vas le finir. Tu me le finis, j'ai dit, merci. Et tu vas aller d'abord transporter tout ça. Autre part. Okay. Alors, niveau de propreté, ensuite tu vas nettoyer. Tu peux pas nettoyer. Je sais pourquoi tu ne peux pas nettoyer, c'est parce que tu n'es pas dans la base, mon ami. On va te mettre dans la base. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'on n'avait pas de barre ici, ça sera mieux comme ça. Ensuite, est-ce qu'on est bien à l'intérieur? Intérieur 16 degrés. Et ici, on est bien intérieur 7. Pourquoi tu n'arrives pas à me refroidir ce truc? Donc, après ça, mon ami Grizzly, tu vas nettoyer tout ceci. Vraiment épaté que j'arrive pas à refroidir cette pièce. Que se passe-t-il dans cette pièce-là? Qu'elle ne refroidisse pas. Combien il fait dehors? Il fait 50 degrés, 49. Comment ça se fait que j'arrive pas à refroidir cette pièce? Alors qu'on a un sas, on a. Normalement double mur à peu près. Je sais pas. Bon, tant pis. Alors, est-ce que je peux te... non, je vais rester, ça c'est fait. Est-ce que tu es connecté? Ne le pense pas. Donc, il va nous falloir un petit bout de câble ici alors. C'est un peu chiant ça. Grizzly. Alors, on ira dans 10 heures. Ensuite, ici, je vais te demander de me faire ajouter une tâche, dépecer une créature. Ah bah, tu vas en dépecer deux. Et bétail, je veux bien entendu que ce soit Grizzly. Absolument. Ensuite, ah oui, il va me falloir des trucs ici. Le distributeur, comment ça marche? Ça, j'emploie jamais ce truc, moi. Production des réservoirs. 15 d'acier. Ok. Donc, on va te mettre un petit réservoir. Bah, ici. Et bah, pour le moment, ça sera suffisant. Hein, avec un seul.
Donc, tu me fais transporter 75 jusqu'à câble électrique et tu fais celui-ci aussi. N'épaisse une créature. Je voudrais d'abord que tu stoppes. Ok. Et puis maintenant, tu viens me faire d'abord ça. Hop, 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 c'est pas ça que je veux que tu fasses. Non, non. Tu vas. Donc, chauffe, t'en es où? T'as faim? Non, t'as pas faim. Toi, tu n'as pas encore vraiment faim. Et toi non plus, il fait toujours 11 degrés. Comment ça se fait qu'il fait si chaud là-dedans? Alors toi, tu tiens encore un jour 4. % on va peut-être survivre. On va peut-être survivre. Bon. Par contre, j'ai plus de jus. Et il fait chaud. Il fait chaud, 56% vraiment de la vitesse normale. Alors, dans la recherche, j'ai deux possibilités maintenant. Donc j'ai pris les panneaux solaires. Alors, soit je travaille avec les bases de la microélectronique, ce qui va me permettre d'avoir un nouveau poste de recherche et une console de communication pour pouvoir faire du commerce. Ou bien, je viens d'abord dans l'énergie géothermique, qui va me permettre l'énergie géothermique, qui me permettrait de sauvegarder ceci. Parce que s'il me faut une pluie toxique, pourquoi pas, hein? S'il me met une pluie toxique, ben, au revoir, quoi. Je perdrai tout, partout. Je perdrai tout ça, je perdrai tout ça, je perdrai tout. Ici, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, 4, 5, 6 bacs. Ça veut dire 2 bacs par personne. Normalement, j'ai 11, je crois, par bac. Je crois que je vais avoir 11. On va regarder, le plan de riz me donne combien? Non, il donne 6 seulement. Il donne 6. Il donne 6. Et par rapport à la partie de Slan, ceci, et encore lui, il a peut-être eu un peu de meilleur temps que moi, je sais pas. Ça viendra pas avant au moins 9-10 jours, non, même plus, je crois que c'était vers le 5 décembre qu'il a récupéré son truc. Donc il faudra encore au moins une bonne dizaine de jours avant que ça ne soit mûr. Et là, j'ai 6. 1, 2, 3, 4. 4 fois 6, 24. 24 fois 6, 120. 100, 144. On va voir 144 de bouffe. On va voir 144 de bouffe, ce qui n'est pas énorme. Non, je crois que je continuerai. Donc, dès qu'on a fini les panneaux solaires, je pars sur la géothermique. On va faire comme ça. J'ai pas trop le choix. Ce que je vais avoir besoin. Ok, Chris dit c'est bien, tu me fais ça, mais on est toujours en descente. Légèrement sale. Où est-ce que c'est sale? Ici, Chris dit. Viens d'abord nettoyer ici, mon cher ami. Bon, encore un petit coup, il vient juste d'arriver. Bon, hop, 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 tu manges pas, stop. C'est quoi ça? Tu manges une ration de survie. Ok, t'en avais encore une sur toi. Il en avait une sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a encore une sur... Oui, elle a encore une ration de survie sur elle. Ouais, j'ai oublié ça. 18 heures.
Il fait toujours chaud, quoi. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors, tu vas me dépecer une deuxième ici, bestiole. Alors, ici dedans, on va dire qu'on ne veut que de la viande. Il n'y en a eu que 15 viandes, pas 16. Ok. Éruption solaire. Il veut absolument pas que je puisse jouer. Il veut absolument pas que je puisse jouer. Donc, ok, on va faire ceci. Hop, tu poses ton truc là-dedans où il fait bien entendu chaud. Pose ça, mec. Stop. Donc. Alors, il faut qu'on récolte. Travail. Grizzly. Il n'y a que toi qui vas récolter. Donc, récolter, c'est forestier. Récolter ou couper les plantes hein, qui vont être assignées. Donc si on regarde bien ici, à moins que l'éruption solaire devrait prendre fin dans environ une journée, vous voyez, 81, 85, 80, ça diminue. Donc tous les trucs électriques ne marchent plus. J'ai pas le choix. Il faut que je récolte. Pardon. Donc on va donner un ordre ici de récolter tout ceci. Tout. Et là je peux même pas récolter, il n'y a rien à récolter. 57, et donc on va devoir couper les plantes qu'on ne peut pas récolter. On va espérer ici que on récupère un petit poil ici. Et donc mon ami, récolte les plants de riz, vas-y, il y en a que pour toi. Éruption solaire pour le moment. Bon, on récupère un petit peu quand même, hein. Pas le temps d'admirer les étoiles, mon ami. Je suis désolé pour toi, mais là, il y a urgence. Donc pourquoi c'est Grizzly? Bah parce que c'est le seul qui a, c'est celui qui a le plus de skills, de compétences. Et donc c'est lui, il va pas rater, il va pas nous rater ça, quoi. C'est pas le moment de rater. Ouais, bon, il ne récupère rien du tout. Non. Voilà, on a une superbe 8, 16, 32, 33, 34, 35, 35 et 9, 44 de bouffe. 44 de bouffe. 44 de bouffe. Et bien entendu, je ne peux pas manger et je ne peux pas cuisiner. Bon, là, ça peut rester dehors, c'est pas un problème. Par contre, là, ça, c'est un autre, un jour neuf. Et voilà. Donc, ça va aller là-dedans. Hein. Dans le réservoir, nous voulons la viande crue. Ouais, d'abord. Et on va pas mettre les végétaux maintenant. Pour le moment, on ne les met pas. On n'a pas le choix. Puisque
qu'il faut d'abord qu'il mange la viande crue, là. Donc, je pense qu'on va les mettre en. Donc, on va assigner maintenant tout le monde en pâte et on va vérifier ceci, les plats. Pâte nutritive, tout le reste, je ne veux pas que vous mangiez, s'il vous plaît, les gars. On va espérer, parce qu'en plus, hein, l'éclipse, l'éruption solaire, là, ah oui, là par contre, il devrait faire. Donc pendant l'éruption solaire, on n'a pas un petit coup de lumière, non, c'est sombre quand même. Bien, ok, pas de chance, quoi. Bon. Il n'y en a qu'un qui bouffe, quoi, qui pourra bouffer. Alors, chauve, mon ami, est-ce que tu dois aller un petit peu dehors? Ouais, tu vas aller dehors, mon gars. Viens dehors, mon petit. Et il fait combien? 42? Non. Tu te fous de moi là. Tu te fous de moi. Là, tu viens de relancer le jus. Alors que tu me dis que c'est foutu pendant une journée. Et donc, je viens de vider tout. Priorise tout le monde à semer. À semer. Alors, fermiers. Mes fermiers sont ici. Fermiers. Alors, ici, je passe en. Pas le chauve, non, parce que là, t'as combien, toi? T'as oublié. C'est même pas la peine. Libellule, tu passes en 2 et toi, tu passes en 2. Ouais. Désolé mon petit, mais il y a du travail pour toi. Incroyable. Je veux dire la chance qu'on a hein, jusque-là. Mais on est encore vivant, tu vas me dire. Pas pour longtemps, je suppose. Bon, on va laisser Grizzly faire ça. On va avancer. Hein. Stop ici. Fais ça. Tu vas dormir maintenant. Bon, ben, va dormir, mec. Ça a été un petit peu dehors quand même. Hein. Pas beaucoup. Non, on va te laisser encore un petit peu dehors. Va jusqu'ici. Promène-toi. Donc, l'éruption solaire est finie. Toi, ma chérie, bah, tu vas, après avoir fait ça, tu vas venir ici. Et de toute façon, là, il est 2h, 23h, donc ça ne va pas pousser pour l'instant. Et ils vont pouvoir aller manger après. Et là, à intérieur, 22 degrés. Moi, il y a quelque chose que je pige pas là. Il y a quelque chose que je ne pige pas. Il y a quelque chose que je pige pas. Comment ça se fait que. Ah bah oui, non, je l'ai dit. C'est parce que il n'y a plus de courant, bien sûr. Il n'y avait plus de courant. Il n'y avait plus de courant. Ah, tu es obligé de faire un tour comme ça, toi, au lieu de passer par là. Ok. Donc ici, on va supprimer zone. Là. Comme ça, on leur laissera la place et on va réagrandir la zone.
comme ceci. Voilà. Jean, est-ce que tu te sens un petit peu mieux, mec? On va te laisser récupérer un peu. Hein. Puis maintenant, tu as faim. Donc, Jean, tu vas... Ah oui, donc j'ai ce que j'ai bien fait, mais... Donc, l'alimentation, on a mise. Donc, on a besoin de dire à tout le monde ici qu'on passe à la pâte. Ça va encore filer un petit peu de morale en plus à mon copain ici, bien entendu. Ok, bloqué à l'intérieur, c'est presque fini. Donc, on va maintenant lui proposer... de venir pas comme ça, on va lui demander de remplir le réservoir. Voilà. Comme il est lent, ben il aura le temps comme ça de récupérer encore un tout petit peu de... temps. Mon Dieu qu'il est lent, le pauvre, le pauvre. Quand on a un asthme comme ça, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Mouvement... asthme majeur. Alors, ma biche, tu vas où? Tu viens te reposer. Fais-en deux. Et toi, fais les deux autres. Voilà. Bon, alors maintenant là j'ai 5 degrés, ok, toi mon ami tu me fais quoi maintenant? Tu transportes de la viande, dis-moi, ok, Grizzly tu dors un peu, ça va, voilà, Libellule vient d'avancer un petit peu plus. Donc ça, c'est pas très grave, ça peut rester un petit peu dehors pour l'instant. Ça va perdre un petit peu, bon, au niveau du timing, il n'y a pas de problème. Par contre, je persiste par jour tant que ce n'est pas rangé à l'intérieur. Enfin, dans une pièce fermée, en tout cas. Voilà, monsieur le chauve. Vous me faites quoi maintenant, mon ami? Vous allez manger de la pâte nutritive. Allez-y. Allez-y, mon ami. Et donc là... 27. Bon, il améliore un peu son confort, c'est déjà ça. Prise de démence mineure, bien entendu, parce qu'une fois que tu vas avoir fini de manger, effectivement, tu n'auras plus ton truc que parce que tu as faim, mais tu vas en avoir un autre parce que tu bouffes de la merde. Là, c'est grosse faim, et on repasse maintenant à... Alors, qu'est-ce que tu me dis que tu vas manger un repas épouvantable? Moins 4. Ok. All right. Ça l'a mangé légèrement impressionnante. Ça s'améliore. Bon. Eh bien, on a encore survécu un tout petit peu.